Éduqué. Éduqué. Ogo. Qu'est-ce qui ne va pas? Ogo. Hein? Ogo, je vais bien. Ça va, tu dis? Je vais bien. Ok, et pourquoi tu es autant excité? Puisque j'étais devant toi et tu ne m'as même pas vu. Ah, Ogo, je suis désolé. J'étais vraiment emporté. Qu'est-ce que tu veux dire? Je viens de réussir mon jam. Ce qui signifie que je viens de gagner le concours de bourse d'études. Ah! Oh mon Dieu, tu as réussi. Ogo, on se verra plus tard. Es-tu sérieux? Il a réussi. Éduqué, ne traîne pas, je t'attends. Oh, nous bénissons Dieu pour cette relation. Tu fais vraiment la fierté de cette famille. Merci, maman. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que tu retournes à l'école. Dieu va nous donner cette opportunité. Il nous donnera également l'argent afin de pouvoir le réaliser. Amen, papa. Une chose que je vous assure pour ma famille, c'est que je ne vais jamais vous décevoir. Hey, honnêtement, tu vas beaucoup me manquer. Je suis très contente pour toi. T'inquiète pas. Quand je serai diplômé et deviendra un ingénieur certifié, je vais m'assurer que tu ailles aussi à l'école. Tu vois? Comment est-ce que je pourrais encore aller à l'école? Maman, tu es sûr que là où tu es, tu peux encore aller à l'école? Il n'y a pas de problème. Oui. Ngong. Aban Chalam. Ngong, s'il te plaît, comprends la situation actuelle. Cette décision, c'est pour nous. C'est pour toi. Je ne ferai pas un voyage de non-retour. Il n'y a rien à comprendre. Rien. Tu crois que je ne sais pas comment ces filles d'université font pour voler les hommes d'autrui? Et comment ils s'enveloppent avec des mecs pour attirer l'attention? Tu crois que je serai là assise confortablement d'attendre pour que tu me reviennes, moi qui ne suis qu'une villageoise? Non, Gom. Pas ça. Allez, n'oublie pas que la Bible a dit que quand ils sont gâtés, je veux dire quand ils sont gâtés, ils se mettent à la peinture. Tu es juste la plus belle. Ngom, si tu es une déesse, je jure, je vais t'adorer. Je t'aime du plus profond de mon cœur. Ngom. Cesse de parler comme si je n'ai pas le choix. Comme si je ne sais pas ce que je veux. Je sais ce que je veux. Et c'est toi. Ngom. Aban Chalam. Anyaun Tutum. Aban Chalam. Aku Gom. Sourire pour moi. Ok? C'est pour notre propre bien. Ce qui compte maintenant, c'est que nous nous aimons. Aucune circonstance n'oblige ce qui nous lie. Je t'aime. D'accord? Je t'aime beaucoup, mon c'est homme. C'est comme ça que tu diras à une autre fille à l'université que tu l'aimes. Je ne le ferai pas. Pas ça. Pas ça. Allez, viens ici. Maman, hey. Ton corps est très chaud. Hey.
Maman, attends. Maman, désolée, oh. Hey. Hey, Timo. Hey. Papa? Papa? Chiliuta, de quoi s'agit-il? Papa, l'état de maman s'aggrave. Que pensez-vous qu'on peut faire maintenant? Hein? Papa, il serait mieux qu'on l'emmène d'abord à l'hôpital. Sauvons d'abord sa vie. Avant de parler d'argent. Ah. L'amener à l'hôpital n'est pas le problème. Mais où allons-nous trouver l'argent? Hein? Hein? Regarde le terrain que j'ai sacré pour manger. Jusqu'à présent, il me doit encore 3000 lira. Hein? Regarde ma brouette que j'utilise pour transporter les gens et aussi leurs marchandises afin de pouvoir survivre. Des gens me doivent encore. Aïe, que vais-je faire? Hein? Papa, il serait mieux d'abord qu'on l'emmène à l'hôpital avant de parler d'argent. Oh, l'argent. Ah, d'accord, j'ai compris. Je vais aller apporter ma brouette afin qu'on puisse l'amener à l'hôpital, comme tu l'as dit. Hein? J'arrive. Merci, papa. Hein? T'inquiète. Ma femme, hein? Courage, tu te porteras bien, d'accord? Arrête! C'est mon père qui arrive. Papa? Papa, qu'est-ce que c'est? Maman? Papa, attends. Papa? Attends. Papa, quoi le problème? S'il te plaît, cède la voix. Maman. Allons vite à l'hôpital. Papa, qu'est-ce qui lui est arrivé? Papa, mais qu'est-ce que c'est? Maman! Maman!
Docteur, s'il vous plaît, comment va ma femme? Monsieur Ndoukoué, on a réussi à stabiliser votre femme pour le moment. Mais elle aurait eu besoin de plus de soins médicaux. Au cas contraire, je doute qu'elle survivra à la prochaine fois qu'elle fera la même crise. Ok, vous pouvez la traiter, s'il vous plaît. Monsieur Ndoukoué, les choses ne se passent pas comme ça. Vous devez me voir dans mon bureau. Ok? Je vous attends dans mon bureau. Je sais car je crois que tu penses la même chose que je pense actuellement. Odo Eduke nous a complètement ruinés en annulant la compétition des bourses d'études. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de choses à payer. Nai, je regardais ces choses de façon très différente, mais je n'ai jamais pas trouvé où avoir l'argent. Tu sais comment on a souffert pour payer ces examens. Nous ne devons pas nous relâcher. Oui, nous ne pouvons laisser cette opportunité. Impossible. Je ne sais pas vraiment où est-ce qu'on peut trouver l'argent pour le faire. Oh. Monsieur Ndoukoué, une fois que vous fassiez le paiement, nous allons continuer le traitement de votre femme. Docteur, où est-ce que je vais trouver un tel montant d'argent? 300 000 naira? Sera-ce de la brouette que je pousse? Et ce que j'en gagne n'est que pour notre survie? Prenez soin de mes enfants? Serait-ce des terrains que je sacle pour les gens et dont ils me doivent toujours de l'argent? Docteur, s'il vous plaît, aidez-moi, même si ça vous demanderait de m'employer, faites-le afin que je puisse travailler pour cet hôpital, ce qui me permettrait de faire traiter ma femme. Docteur, j'étais allé supplier tous mes amis et même mes parents, mais personne n'a pu m'aider. Vous êtes mon seul espoir. Monsieur Ndoukoué, ce n'est pas drôle que vous faites ces demandes. Bien. Comme je l'ai déjà dit, une fois que le paiement est fait, nous allons commencer le traitement de votre femme. Si ça ne vous dérange pas, s'il vous plaît, sortez de mon bureau. J'ai d'autres patients à assister. Ça veut dire que ma mère va mourir. Ngom, cesse de parler négativement à chaque fois. Rien n'arrivera à maman. Comment arriverai-je? As-tu entendu le docteur? 300 000 naira. Cette somme est juste pour le test de labo avant qu'il ne commence le traitement. Éduqué partout dans ce monde, dis-moi où est-ce que je vais trouver cette somme d'argent. Ngom, Dieu n'a pas changé et il ne changera jamais. Et où
était-il? Où était-il quand tout ceci arrivait à ma mère? Où était Dieu? Ngom. Ngom. Cesse de pleurer. Cesse de pleurer. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Si les 300 000 Naira ne sont pas disponibles, on pourrait perdre la mère de Ngoma. On n'a même pas d'argent pour les droits d'inscription de mes études. Comment vais-je faire? En ce moment, Ngoma a besoin de moi plus que jamais. Et je dois lui faire savoir que je peux la protéger et même subvenir à ses besoins. Non. Maman. Je sais à quoi tu penses. Tu ne peux pas rester ici pour y penser. Ton père et moi faisons de notre mieux pour que tu ailles à l'université. Alors sois heureux. Ce que tu dois faire maintenant, c'est d'aller te préparer pour aller au cours. Merci, maman. Je sais que toi et papa, vous me soutenez toujours. Ce qui est plus important maintenant, c'est de croire en nous. Alors arrête de te déranger et donne-moi un sourire, s'il te plaît. Ah, mon fils, s'il te plaît, arrête de beaucoup penser, tu vas devenir vieux. Je vais prendre quelque chose de l'autre côté. D'accord, maman. Oyoma, ma sœur, je suis venue demander. J'allais dire que je suis venue demander l'argent. S'il te plaît, c'est question de la vie et la mort. T'inquiète, je n'ai pas dit que je ne te donnerai jamais. Je vais t'assister. Mais tu sais qu'à nos jours, la vie n'est plus facile. Ce n'est pas du tout facile. C'est très très dur. Mais t'inquiète, je te donnerai un peu d'argent que je garde dans ma caisse de tous les jours. Mais tu dois me le rembourser avec intérêt. Je le ferai. Je le paierai avec intérêt. J'ai juste besoin de 20 000 Naira. Il n'y a pas de problème. Tu l'auras. Mais tu dois me le rembourser avec un intérêt journalier de 400 Naira. Donc, c'est à toi de voir. Hey, j'étais en route pour chez toi. Hey ya! Je veux que tu puisses m'aider avec 10 000 Naira. Je dois les compléter à l'argent que je dois payer à mon fils pour ses études. Hey, ma sœur, je n'ai même pas un franc avec moi. Le peu d'argent que j'avais sur moi, je l'ai utilisé pour ravitailler ma boutique. Mais je n'ai plus rien sur moi. Que ferais-je maintenant? Pourquoi tu ne vas pas chez Brigitte? Peut-être qu'elle pourra t'aider dans ce sens. Tu penses qu'elle va me donner? Oh, d'accord, merci.
peux-tu imaginer? Elle veut que je lui prête de l'argent pour que son fils aille à l'université. Pendant que le mien est là en train de déambuler. Ça et là. Hé, hey, j'y dois pour mon fils. Pourquoi tu n'as aucun intérêt à ce qui concerne les études? Pendant que moi et ton père sommes encore vivants et capables de t'envoyer à l'université, tu ne fais que prendre du chanvre et de la cigarette et courir derrière le femme. Maman, qu'est-ce que tu essayes de faire? Ma soeur, prends ceci. Je suis en train de vendre quelques vêtements. Tu sais bien que nous cherchons l'argent pour les études de ton grand frère. Maman, je sais que tu dois trouver quelque chose pour le frère éduquer, mais tu dois quand même couvrir ton corps. Tu ne dois pas quand même vider toute ta garde-robe. T'inquiète, maman, nous allons certainement trouver une solution. Ma soeur Caro, ces habits que tu as fait sortir, certains sont usés, c'est plus de bonne qualité. Qu'est-ce que tu dis là? Ils ne sont plus en bon état. Pourquoi tu dis ça? Toi et moi savons très bien que je les ai achetés récemment. Ils sont encore en très bon état, ma soeur. Regarde un peu très bien. S'il te plaît, ne fais pas ça. Achète pour que je paye les études de mon fils. D'accord, je vais te donner 30 000 lira. 30 000 quoi? Hein? Pourquoi? Pour tous ces jolis tissus de panne. Maman, laisse tomber, laisse tomber. Ne te dérange pas trop, hein? Mon frère finira par aller à l'université. Non, s'il te plaît, arrête. Ne fais pas ça. S'il te plaît, ma chérie, écoute-moi. Hein? Du fait que tu as choisi d'écouter ce que ta fille raconte, je m'en vais. S'il te plaît, mets-toi. Maman. Mets-toi d'abord, ma chérie. C'est quoi ce genre d'humiliation? Mets-toi d'abord, écoute-moi. Maman. S'il te plaît, écoute-moi, ma chérie. Ajoute quelque chose sur la somme que tu venais de dire. Je t'en prie, pardon. Tu vois très bien que parmi ces vêtements, il y a des nouveaux, hein? Regarde un peu bien, regarde celui-ci. Tu peux même sortir avec. Ok, c'est juste maman. À cause de toi. Reste loin maman. De ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ton problème? Ma soeur, s'il te plaît, ne te fâche pas. Si tu me donnes 40 000 naira, je vais vraiment apprécier. Je vais te donner 37 000 naira. C'est tout ce que j'ai. Ces jours-ci au marché, les histoires se vendent difficilement. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Va lui prendre le sachet. Va lui prendre l'emballage. Dépêche-toi. Ici, il y a 20 000 naira. Après demain, tu viendras à ma boutique pour récupérer le reste. Marie, fais vite. Apporte-moi un truc pour emballer tout ça. Ngo, je suis allé à l'hôpital et on m'a fait savoir que tu es parti chercher la nourriture. Oui, mais je dois rentrer à l'hôpital maintenant. Alors, allons ensemble. Ngo, Ngo, je sais que tu es en train de passer une période difficile maintenant. Qu'est-ce que j'ai à faire dans cette situation si ce n'est de regarder à Dieu? Maman s'est tordée de douleur la nuit dernière. Je comprends. Ngom, t'inquiète pas. Tout va bien se passer. D'accord? Et papa, je ne l'ai pas vu à l'hôpital. Il fait de son mieux pour lever ses fonds. D'accord. Allons-y.
Obiako, s'il te plaît, aide-moi. Ma femme est en train de mourir. S'il te plaît, j'ai besoin de l'argent. Biko, j'ai besoin de l'argent. Ta femme? Aide-moi à sauver ma femme. S'il te plaît, j'ai besoin de l'argent. L'argent? Ouais. Hey, je n'ai rien comme argent pour prêter à quelqu'un maintenant. Les choses ne vont pas bien pour moi maintenant. Ndoukwe, regarde ma boutique. Regarde ma boutique. Tu sais comment ma boutique a toujours été, non? Mais regarde là aujourd'hui. Je n'ai même pas d'argent pour acheter la marchandise. Obiako, s'il te plaît. Obiako, s'il te plaît. Même si c'est 10 000 naira de ce que j'ai vu, s'il te plaît, aide-moi, je peux le gérer. S'il te plaît, aie pitié. Si c'est ça, cet argent ici ne m'appartient pas. Ne pense pas que si tu vois quelqu'un compter l'argent, donc ça lui appartient. Cet argent ici ne m'appartient pas. Biako, s'il te plaît, tu es le seul espoir que j'ai. S'il te plaît. Mon frère, mon enfant qui est à l'université, m'appelle pour que je lui envoie l'argent. Je n'ai même pas 1000. Ndoukwe, 1000 pour lui envoyer. Je n'ai pas d'argent maintenant. Hey. Les choses ne vont pas bien pour moi ces derniers jours. L'argent que j'ai vu là? Ce n'est pas mon argent. Ça là, oublie. Oh. Ce n'est pas mon argent. Oh. Et alors tes connaissances, ta famille. Alors ton frère qui habite la cité là, l'as-tu appelé? Je sais qu'ils vont t'aider. Sois fort, ça ira. Appelle tes connaissances. Appelle-les. Ils vont certainement t'aider. Tu es d'ailleurs mieux que moi. Les choses vont très mal pour moi maintenant. Maduka, je me dirigeais même vers ta maison. Tu venais chez moi, j'ai pas compris. Oh, c'est à cause de cet argent que je te dois. Ah, je te le paierai, hein, je ne l'ai pas maintenant, hein, je te le donnerai. Maduka, tu ne peux continuer à me dire que tu n'as pas cet argent avec toi. Je ne te supplie pas de me prêter de l'argent. Je veux que tu me donnes mon argent que tu me dois. Maduka, je t'en prie. Donne-moi cet argent. Parce que là maintenant, j'ai désespérément besoin de ça. Tu m'étonnes quand tu parles comme ça. Hein? Quel est ton problème? Je t'ai dit que je n'aime pas l'argent maintenant. Quand je l'ai, je te le donnerai. Ah, comme je te dis, tu ne vas pas me laisser me reposer. Tu ne vas pas me permettre de boire de l'eau. Hein? Quel est ton problème? Essaie de comprendre, je te paierai. Si c'est la seule personne qui doit, même le gouvernement doit aux gens. Ok. Je devrais te comprendre. Hey, comprendre. Essaie de comprendre, mon ami. Bientôt, ça sera ton tour à toi de me comprendre. Bientôt, ce sera mon tour. Non, je travaille dans l'entreprise de compréhension. Combien je te dois même? Laisse-moi tranquille, que je te dois jusqu'à l'éternité. Idiot! Maman, mange, non?
Même si tu ne vas pas beaucoup manger, hein. Même un peu, s'il te plaît. Biko, oh. Maman, mange. Maman, tu ne peux pas continuer comme ça. Si tu n'arrives pas à prendre le médicament qu'on t'a apporté depuis le matin, c'est parce que tu n'as encore rien mis dans la bouche. S'il te plaît, prends quelque chose, maman, hein, même un peu. S'il te plaît. Maman, s'il te plaît, mange quelque chose afin que tu puisses prendre tes médicaments. Maman. Maman, tu dois essayer. Maman, tu dois nous encourager. Efforce-toi. Depuis que nous te supplions, maman. Ok, prends juste cette bouchée. Prends juste ça. Oh. Okizi. Ndoukwe. Où est-ce que tu vas maintenant alors que j'allais chez toi? Ndoukwe. Venir chez moi? Ouais. C'est quand la dernière fois que tu l'as fait? Je le sais. Mais Okizi, les choses tournent mal en rond pour moi. Les choses ne me sont pas faciles, moi. Je sais. Je sais. Mais pourquoi avoir choisi ce jour? J'espère que tout va bien. Okizi, tout ne va pas bien. Je veux dire, regarde-moi bien. Est-ce que c'est le même Ndoukwe que tu connaissais de par le passé? Non, regarde-moi bien. Ça montre que tout ne va pas bien. Ndoukwe, ton histoire est pathétique. Mais je suis actuellement dans le besoin. Mon fils a eu une admission. Une admission boursière pour l'université. Et j'ai besoin d'argent pour ces démarches dont il me reste peu de jours. Ok, Zé. Tu as réellement besoin de l'argent. Parce qu'on ne rate pas une telle opportunité. Exact. C'est pourquoi je fais de mon mieux. J'essaie absolument tout ce qui est possible pour m'assurer que son admission soit faite. Pas de problème. Je vais m'en aller maintenant. J'espère que je verrai Okechi à la maison. Je lui parlerai. Il peut faire quelque chose. Je viendrai également voir ta femme, Okechi. Hmm? Ressaisis-toi et prends soin de toi. Hein? Ngom, juste calme-toi. Juste calme-toi, d'accord? Ngom. Qui est là? Bonjour. Bonjour frère. Est-ce que vous avez gala? Nous avons le pain et du sucre. Pain et une bouteille de Fanta. Fanta, ok, d'accord. Ouais frère. Ou Coca, peu importe.
Ok, c'est Sprite. Prenez. Merci beaucoup, mon frère. C'est bon. Ngom, voici le pain. D'accord? Tu dois manger quelque chose. Je veux que tu comprennes que rien n'arrivera à maman. Mais si tu alimentes la peur, c'est comme ça que le diable va en profiter. S'il te plaît, d'accord? Non. Obim, j'ai peur. J'ai peur, je ne veux pas perdre ma mère. Maman ne mourra pas. Allez, rien n'arrivera à maman. Maman ne mourra pas. Tout ce que je veux que tu fasses, c'est de manger quelque chose afin d'être forte pour moi et pour maman. Ça va. Allez, prends ça, d'accord? Non, non. Prends ça, ok? Non. Ma chérie. Akongom. Akbam Chalami. Ngom. S'il te plaît, prends ça, non? Non. Ça va, s'il te plaît. Mon frère Ejike, une femme sage m'a dit que, au bout du tunnel, tout ira mieux. Et si rien ne change, alors sache qu'il n'est pas encore la fin. Alors ne te dérange pas, puisque tout ira bien. Grand frère, tout ce que j'essaye de dire est que tu n'as pas à t'inquiéter. Papa et maman font de leur mieux pour que tu ailles à l'université. Ok? De rien. Naï, j'ai pu avoir 46 000 naira. Je l'ai mis sur la table dans la chambre. Merci, ma chère femme. Moi, actuellement, j'ai 12 000 naira. J'espérais que nous puissions trouver au moins 70 000 naira pour lui, afin qu'il utilise 50 000 naira pour son inscription et le 20 000 naira pour son argent de poche. C'est vraiment une très bonne idée. Alors dis-moi, est-ce que Maduka t'a donné ce qu'il te devait? Non. Maduka veut que nous puissions le forcer avant qu'il paye cet argent. Non, ce que tu dois faire, c'est prendre Ejike avec toi. Si tu y vas prochainement, les gens comme lui aiment la brutalité avant de prendre quelque chose chez eux. Ah oui, et pourtant il vient de vendre une partie de sa terre. Prends Ejike avec toi, comme ça on va voir. Je le ferai. Je ferai cela. Le repas est prêt. Oui. Oh, merci. Tu cuisines comme ta mère. Merci, papa. Ne me rejoins-tu pas? Non, je vais manger à la maison. J'ai déjà mis ma nourriture. Ok. D'accord, papa. Bon appétit. Oh, t'es tellement lourd, toi. Papa, hein? Papa, Tony est Tony. Là. Papa. Papa. Tony. Papa. Comment tu vas?
Je vais bien, papa. Comment vas-tu? Donc, tu es revenu? Oui, je vais très bien. Oui, papa, je suis de retour. Bienvenue, hein? Papa, j'ai mis ton sac à la maison. Je crois que tu m'as apporté le pain. Oh. Du pain? Oui, non. Comment papa? Tu vas? Assieds-toi. Oui, papa, je vais bien. Comment était le voyage? Mon voyage? C'était bien, papa. Fiston, papa? Vas-y. N'oublie pas, hein, tu enlèves complètement tout, ok? Attendez, ok, Zé, qu'est-ce que vous essayez de faire? Papa l'arrache, Colomb. Jeune homme, attends, veux-tu enlever mon toit? Je vais juste récupérer ce que moi j'ai mis pour toi. Puisque tu n'as pas d'argent à me payer, mais tu as de l'argent pour boire la bière, ok? Peux-tu imaginer? Donne-moi l'arrache, Colomb. Jeune homme, attends. Ok, Zé, je n'ai pas allé jusqu'à ce point, non, hein? Je pense que j'ai ton argent dans ma poche. Hein? Oh, attends, je l'ai. J'ai ton argent avec moi ici. Je vais te payer. Hein? Prends ça. Donc, tu avais l'argent avec toi, mais tu l'as gardé pendant tous ces temps, ok? C'est ça? Papa, mais, papa, retourne-lui cet argent. Retourne-lui cet argent. Je dois enlever ces tuilins. Je dois les enlever. Qu'il utilise cet argent pour payer notre menuisier. Oublie ce fou fiston. Descends de là. Il te frappera bientôt. Descends de mon toit, j'ai déjà payé à ton père son argent. Quel est le problème? Ne t'as-tu pas donné ton argent? Oublie ce fou fiston. Descends. Papa, c'est à cause de toi. Hein. Oui. C'est à cause de toi, oublie papa. Oublie ce fou fiston. Ok, c'est donc on ne peut pas s'amuser avec toi. Non, c'est ce que tu fais aux gens. Descends. Partez, s'il vous plaît. Un homme sans cœur. Partez, s'il vous plaît. Enlevez mon toit. Papa, allons-y. Pour combien? Ok, c'est donc. C'est comme ça que tu te comportes, hein? Vas-y, vas-y, je t'ai déjà payé ton argent. Papa! Et toi aussi, tu dois argent. Et pour payer, c'est un problème. Tu ne paieras pas quand tu dois argent. Tu ne paieras pas quand tu dois. Maintenant, ils veulent enlever ton toit. Idiot! Ouais. Maintenant, il m'a pris cet argent. Papa? Bon après-midi. Bonsoir, ma fille. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Ces gens-là, oublie-les. L'homme-là et son fils. Ils étaient en couleur, ils étaient fous avant. Laisse-les. Bienvenue, hein? Je ne me retrouve pas encore. Tu peux aller à l'intérieur. Enlevez ça. Papa? C'est ce qui est arrivé. À la minute où mon patron est mort, madame s'est mise à renvoyer tout le monde sans aucune raison valable. Malgré le fait que j'ai passé 5 ans à les servir. Mais pourquoi il y a des gens si mauvais? Certains se comportent comme s'ils n'avaient plus de conscience. Moi et les autres stagiaires avons supplié la dame. Mais elle a refusé. Ça va, mon fils. Dieu sait la raison pour laquelle certaines choses arrivent dans la vie comme ça. Papa, si Dieu le sait vraiment, alors c'est un Dieu méchant. Arrête de dire des blasphèmes, mon fils. Arrête. Il est Dieu. Et en lui, il n'y a pas d'imperfection. Combien est-ce que les docteurs demandent pour commencer leur traitement sur maman? 300 000 naira. 300 000 naira? C'est exagéré, tu trouves pas? Et on n'en a pas. Honnêtement, mon fils, je ne sais pas ce que ce pays est en train de faire de moi. C'est comme si les pauvres comme nous n'ont pas le droit de vivre. On va s'en sortir, papa. Je ramène ça à l'intérieur. Et JK? Papa? Voici 90 000 naira. Ça n'a pas été facile pour moi. Ta mère et ta sœur
d'obtenir cet homme. Mais nous l'avons fait, croyant que demain, ton futur sera brillant. Prends-le. Ejike, j'ai toujours appris que qu'il y a vraiment la méchanceté à l'université. Mais je connais très bien l'enfant que j'ai élevé et j'ai confiance en toi. Si tu arrives là-bas, ne fais pas de mauvaises choses comme les autres. Au contraire, fais ce qui est bien, cherche à faire du bien. Réussis dans tes études et rappelle-toi d'où tu proviens. Merci papa, merci maman, merci Marie. J'apprécie vraiment et je vous promets tout ce que je vous rendrai fier. Vos efforts ne seront pas vains. Amen. Amen. Merci beaucoup papa. C'est ancré en toi. Ses souhaits de devenir grand et ancré en toi. Alors rends-nous fiers. Bien sûr, je le ferai. Merci, papa. Papa, je dois y aller et commencer à ranger mes choses maintenant. Sois prudent. Il faut que j'aille faire ma valise. Docteur, s'il vous plaît. Docteur, s'il vous plaît. Monsieur Ndoukoué, hein? Nous parlons ici de 300 000 naira. Et regardez ce que vous avez sur vous. Dites-moi, cette petite somme, qu'est-ce que cela peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Je suis désolé, pas moins de vous aider. Aidez-nous, docteur, s'il vous plaît. Docteur, c'est de ma mère dont on parle. Docteur, aidez-nous, s'il vous plaît. Docteur. Ngom, tu dois être heureuse pour moi. Sois heureuse pour moi. Parce que sûrement, je sais que je reviendrai pour toi. D'accord? Juste souris pour moi. Ngom, Abancharam, ça va s'il te plaît, ok? D'accord? Sache que je suis là en train de t'attendre. Bien ne sûr. Pas quand tu seras à l'université. Comment pourrais-je même? C'est toi ou rien. Personne d'autre. D'accord? Définitivement, je reviendrai pour toi. Ne cours pas derrière toutes ces filles à l'université. Non, attends. Je dois prendre ce taxi moto. Ok. Carrefour. Moi seul. Ngom, je dois y aller maintenant. Juste promets-moi que tu seras forte. Désolé mon frère, j'arrive, d'accord? Ngom, s'il te plaît, souris, non? Souris, tu sais que je ne peux pas te quitter comme ça. Juste souris pour moi. D'accord? Juste souris. Tu vas aussi me manquer. Je promets, je... Frère, s'il te plaît. Sois un peu plus patient, s'il te plaît, d'accord? Ngom, s'il te plaît, ne perdons pas son temps. Définitivement, je reviendrai pour toi. Hein? Sois juste forte. Hein? Tu sais que tu vas beaucoup me manquer. Frère, s'il te plaît, fais preuve d'un peu plus de patience, d'accord? Ne lui perdons pas du temps,
D'accord? Essayons de ne pas perdre son temps. Souris pour moi. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je dois y aller. Attends, attends. Arrange bien le sac. Attendez, désolé. Désolé, frère, s'il te plaît. Je dois y aller, d'accord? Je dois y aller. Nkoli. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas censé être à l'hôpital? J'avais appris que tu voyageais aujourd'hui, c'est pour ça que je suis venue. Oh, le temps même joue contre moi. Je dois... Attends, attends. J'ai été apporté quelque chose. Prends. C'est juste un peu d'argent. Et, attends, ça c'est le téléphone. Comme ça, tu pourras causer avec les gens de ta famille et moi aussi. J'ai pris l'argent de mon salaire, donc utilise-le pour t'acheter des histoires à l'université. Un téléphone? Oui. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je dois y aller maintenant. Ok. Vraiment, merci beaucoup. Prends soin de toi. Merci, je le ferai. D'accord. Qu'est-ce que tu penses que tu es en train de faire? Tu n'as pas encore fini. Désolé, docteur, mais je ne comprends absolument rien. D'après le résultat de l'examen, docteur, la tension artérielle de cette femme est normale. Les produits qu'elle prend la rend encore malade. Écoute clairement. Une fois que je te donne une instruction, je veux que tu la suives à la lettre. Sommes-nous d'accord sur ça? Oui, docteur. Bien, c'est moi qui commande ici. Monsieur Ndoukoué, sincèrement, votre femme souffre d'un cancer de la vessie. Oui, c'est une maladie qui fait que les reins ne fonctionnent plus bien, ils deviennent cancéreux. Docteur, vous devez trouver une solution pour guérir ma femme. Oui, mais... La seule solution, c'est que ça va coûter cher. De combien parlons-nous ici? $5 millions, Negra?
C'est une énorme somme d'argent, non? Où allons-nous obtenir une telle somme? Mon fils. Je ne sais pas ce que je dois faire maintenant. Je ne l'ai pas cru quand le docteur l'avait dit. L'argent. L'argent. Tout ce que je sais, c'est que ma mère ne va pas mourir. Nkoli. Oui. Va chez cette dame et assure-toi de lui donner ses injections. Docteur, cette femme commence à se rétablir. Lui administrer ces sédatifs pourrait aggraver son cas ou voire même la rendre paralysée. Et quand as-tu commencé à mettre en cause mes instructions? Désolé, docteur. J'ai pas envie de m'attirer d'ennui. Nkoli, tu sais, parfois, des choses comme ça sont faites pour obtenir un intérêt permanent. D'accord, docteur. Bonjour à tous. Oh, bonjour, madame l'infirmière. Comment tu vas, ma chérie? Oui, ça va. Maman, ça va? Je me sens un peu mieux. C'est bien. Goma, le docteur va te voir dans son bureau. Je crois que tout va bien. Bien sûr que ça va. Ok.
Ah, papa. Tony. Ah. Donc tu es ici en train de fumer, connaissant bien notre situation. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Quel est ton problème? Écoute, papa, des fois, il faudrait que tu arrives à calmer un peu tes nerfs. Et penser un peu à ta vie. C'est ce que je suis en train de faire, je réfléchis. Quel exemple donnes-tu à tes sœurs? Hein? Regarde-toi. Progressivement, tu deviens un fumeur habituel. Qui sait si c'est à cause de ça que ton patron ne t'a pas établi? Ah. Ouais! Je ne saurais pas si c'est ton comportement stupide-ci qui a causé ton malheur. Hein? Des gens disent que Afurengba Aniu Siego Mananabem Soso Igbo Kananu. On dit comment? Mais papa, surtout arrête de me juger sur ça. Je t'en prie. Aïe. Très bientôt, je vais te montrer que je suis le vrai fils de mon père. Tony, tu t'en vas comme ça. Tony! Nous réfléchissons aussi comment trouver 5 millions de naira pour la transplantation rénale de ta mère. Et toi, tu essaies en train de fumer. Hein? Assis la foule, n'est-ce pas? À nous, si égo. Maintenant, foutu, on a bien. À nous, si égo. Oui, fais-le, mec. On est sous wagon. Pas de problème. Tony, reviens ici. Reviens ici. Docteur, vous avez envoyé me chercher, mais depuis que je suis dans votre bureau, vous ne faites que me regarder. C'est pour m'admirer que vous m'avez appelé dans votre bureau. Miss Ngomo, ce que je veux te dire est très sérieux. Tu sais, je n'ai jamais su que tu as eu une telle beauté jusqu'à tout récemment. Pardon? Ngoma, je t'aime. Et ce que je ressens pour toi, c'est le vrai amour et non une illusion. Je veux juste que tu nous accordes une chance d'être ensemble. S'il te plaît, Ngoma, sois mon épouse. Oh, vraiment? Donc c'est de ça qu'il s'agit? Tu m'as laissé à cause de Goma, c'est pour ça que tu mets la vie de ta mère en danger? Tout ça c'est à cause de ce que tu ressens pour elle? Hé, arrête ça. Arrête d'être ridicule. Tu m'as fait comprendre clairement que c'est fini entre nous, donc je dois aller de l'avant. Donc cesse d'être jalouse. Après tout, ce qui s'est passé entre toi et moi n'est qu'un flit. Rien d'autre. Par ailleurs, j'ai vu le regard que tu avais quand tu regardais ce garçon. Et édiqué. Ouais, je sais que tu es déjà tombée amoureuse de lui. Épargne-moi de ça, s'il te plaît. Oh, c'est simple. Ce que j'essaie de dire est que je suis seulement en train de te faire une faveur en enlevant Ngoma qui est cet obstacle entre toi et édiqué. Et comme ça, tu peux avoir édiqué pour toi. Tandis que je vais avoir Ngoma pour moi. En mettant la vie de quelqu'un en danger? Nkoli, la meilleure chose que tu pourrais faire, c'est de faire tout ce qui est humainement possible pour avoir édiqué pour toi. Et de ma part, je suis déjà en train de faire tout ce qui est possible afin d'avoir Ngoma pour moi-même. Tu comprends? Et c'est pour le mariage. Oh, regarde comment tu es surprise. Bébé, je dois m'occuper d'autres patients. Pendant que tu réfléchis à me dire. Ngoma, qu'est-ce que c'est? Depuis quelques jours maintenant, tu m'évites. C'est parce que je t'ai dit ce que je ressens pour toi? Écoute, Ngoma, laisse-moi te dire. Je t'aime et je vais te marier.
je ne veux pas seulement sortir avec toi, mais je veux aussi te marier. Écoute, je ne me rappelle pas t'avoir dit que j'avais besoin d'un mari. Et pour ces soi-disant d'amour, tu ferais mieux d'arrêter puisque je n'ai aucun sentiment pour toi. Je suis en relation. Écoute, j'ai un petit ami et je l'aime profondément. Excuse-moi. Je ne me rappelle pas t'avoir dit que j'avais besoin d'un mari. Et pour ce soi-disant d'amour que tu as pour moi, tu ferais mieux d'arrêter puisque je n'ai aucun sentiment pour toi. Je suis en relation. Écoute, j'ai un petit ami et je l'aime profondément. Ngoma, je dois t'avoir. Docteur, 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 s'il vous plaît, aidez-moi. Aidez ma femme. Aidez à sauver la vie de ma femme. S'il vous plaît. Monsieur Ndoukoué, si vous regardez bien autour de vous, vous saurez que nous sommes dans un hôpital et non un centre d'une organisation caritative. Je ne peux pas prendre soin des patients gratuitement. J'ai des factures à payer. Des impôts, salaires des employés et d'autres factures à payer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Docteur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne laissez pas ma femme mourir. S'il vous plaît. Hein? Vous êtes le seul espoir que j'ai, s'il vous plaît. Monsieur Ndoukoué, je pense que je peux vous aider. Merci. Mais vous devez m'aider en retour. Je veux dire, je peux vous aider à sauver la vie de votre femme. Si seulement vous me promettez de me donner quelque chose qui m'est très cher en retour. Au moins... Pour ma gentillesse, rejoignez-moi dans mon bureau. Le docteur Ochi a promis de traiter votre mère gratuitement, sans prendre de l'argent. Hey. Ah, c'est une bonne nouvelle, papa. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Ce docteur que je connais ne peut pas traiter ma mère gratuitement. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu lui as promis? Bien, mes enfants. Tout ce qu'il demande est que tu l'épouses. Ma fille, s'il te plaît, épouse-le afin qu'il se concentre plus sur ta mère et faire un bon traitement gratuitement. Vous voulez mon avis? Ce n'est pas trop te demander. Sérieux, c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Cet homme est riche. Si tu l'épouses aujourd'hui, maman aura la chance de se sentir bien à nouveau. Et... cet homme prendra soin de toi, ainsi que de nous tous. T'ai-je entendu dire que ce n'est pas beaucoup nous demander? C'est aussi facile pour vous de le dire, puisque vous ne vous préoccupez même pas de mon bonheur. Est-ce que vous m'avez demandé si je le mets? Ugoma, l'amour n'a absolument rien à faire ici. Ce n'est qu'une simple réalité. Épouse le docteur Uche. Et d'ailleurs, ce garçon que tu prétends aimer n'a... ne peut même pas nous donner ces 5 millions de lira dont nous parlons actuellement. Écoutez, je ne vais plus rester ici avant cette discussion avec vous, puisque vous avez une attitude déraisonnable.
Excuse-moi, papa. Ugoma, Ugoma, tu dois l'épouser. Et d'ailleurs, tu es déjà marié à lui. Vas-y, tu reviendras. Tu... Papa, regarde, tu vois, hein. Calme-toi. Lorsque nous arrivons à ce pont, nous le traverserons. Papa, aucun pont à traverser. Elle doit épouser cet homme. Simple. Agban Chalam. Écoute, je vais te promettre quelque chose. Ok. Je ne te laisserai jamais pour quoi que ce soit. Ouais. Alors dis-moi, et s'il arrivait que tu aies une opportunité de voyager en dehors du pays? Je ne ferai aucun voyage sans toi. Ouais. Aucun voyage ne serait possible pour moi sans toi. Es-tu sûr? Ouais, je suis très sûr. Je t'aime énormément. Je t'aime moi aussi. Écoute, non. Non, je change d'idée. Je crois qu'on va voyager ensemble. Ok, je ne vais pas le faire. Je ne le ferai promis? Pas. Je te promets. Alors attrape-moi si tu pourras.
éduquée. Peu importe ce qui se passe, je rêve tout le jour de toi. Je ferai n'importe quoi pour que nous puissions être ensemble. Écoute-moi, éhonté que tu es. Tu peux jouer à tout le jeu que tu veux. Je te rassure que tu ne mourras pas. Tu préfères perdre ta mère à cause de ton égoïsme? Laisse ma mère! Laisse ma mère en dehors de ça. Qu'est-ce que nous t'avons fait? Pourquoi tu veux nous faire ça? Qu'est-ce que nous avons fait de mal? Ogoma, je veux t'épouser. Et c'est ce que je veux. Je ne peux pas. Je ne le ferai pas. Je ne peux pas me marier à un homme qui veut exploiter mes émotions. Juste... à cause de ses intérêts égoïstes. Docteur. Oui. Je l'ai vu partir très en colère. J'espère que tout va bien. Cela n'est pas un problème. Elle devient de plus en plus frustrée. Et bientôt, elle va céder à ma pression. Crois-moi, de là, Ngoma s'éclipsera sur ta voix pour que tu aies tiqué. Oh, s'il te plaît, comme si tu le faisais pour moi. Oh, nous faisons ça pour nous-mêmes. L'état de cette femme m'inquiète. T'inquiète pas, rien ne lui arrivera. Juste continuer à lui donner ses sédatifs. Je dois avoir Ngoma. Bien, alors c'est à toi de décider pour avoir édiqué pour toi-même. Il ne répond même pas à mes appels. Que dois-je faire? Bien. Apporte-moi quelques désinfectants dans mon bureau. Oui, docteur. J'aime quand tu souris, ça te rend plus belle. Alors, docteur Uche a dit tout ça à papa? Oui, c'est vrai. Mais ta sœur Ogoma a refusé de l'épouser. Grand sœur Ogoma a refusé d'épouser docteur Uche. À cause de Ejike. Est-elle contente avec l'état de maman? Ejike. Qui est Ejike? Son petit ami. Ogoma a un petit ami? Oui. Ok. Je ne peux pas lui en vouloir dans un moment pareil. Tu as l'air timide. Est-ce que ça va bien? Oui, maman, je vais bien. Je vous apporte de l'eau. Ok, dépêche-toi. Vous êtes déjà communiqué avec Ejike depuis qu'il a voyagé? Je crois deux fois. Vous êtes déjà communiqué deux fois? Oui. Comment va ta mère? Comment va-t-elle maintenant? Je ne sais pas, maman. Que veux-tu dire par « je ne sais pas »? Maman, tu dis que vous êtes communiqué déjà deux fois. Oui. Pourquoi y a-t-il un problème? Non.
Non. Tu dis non, mais tu es en train de verser des larmes. Non, il n'y a pas de problème. Tu peux bien me dire. Quand est-ce que ça va prendre fin? C'est comme ça que je vais continuer à gagner le genre d'argent que j'ai besoin pour prendre soin de ma famille et de ma belle Ngoma. Dieu, s'il te plaît, laisse ta grâce agir dans ma vie. Je ne veux pas être une honte pour ma famille. Je ne peux même pas aller au village pour aller passer les vacances. Papa, as-tu vu grand-sœur Goma? Non. Elle n'est même pas à l'hôpital. Ne t'a-t-elle pas dit là où elle allait? Non, papa. Elle a des réactions étranges ces derniers temps. Tu dois parler avec elle. Parce que si quelque chose de mal arrive à maman, tu ne serais pas contente avec elle. Ça va, ma fille. Je comprends ce que tu ressens. Mais ça ne devrait pas être un problème. Va continuer à faire la cuisine pour amener la nourriture à ta mère à l'hôpital. Quand elle revient, je lui parlerai. Ok, papa. Docteur, tu dois me comprendre. Cette femme développe d'autres symptômes. Nous devons l'aider. Tu sais, t'as pas besoin de te déranger. Tout ce que tu dois faire, c'est lui apporter un peu plus d'eau et t'assurer qu'elle la boit. Elle va se rendormir. Allez, ne t'inquiète pas trop. Mais c'est quoi ça? Grande sœur. Grande sœur, s'il te plaît. Sauve maman. Je sais que tu aimes éduquer, mais pense à cette famille. Maman est en train de mourir. S'il te plaît. Sauve-la.
Goma, ma fille. Je sais que cette famille te demande de sacrifier ton amour et ton bonheur afin de pouvoir sauver ta mère. S'il te plaît, je sais que tu n'as jamais aimé le docteur. Mais l'offre grandit au jour le jour. Avec le temps, vous apprendrez à vous aimer l'un l'autre. Je te supplie en tant que ton père. Aide cette famille et sauve la vie de ta mère. Papa, je ne crois pas que c'est toi qui peux me dire ça. Qu'en est-il de lui? Qu'en est-il d'éduqué? Père, souviens-toi, il a tout sacrifié pour nous. Toi inclus. Toi aussi. Même maman. Ogum, comment va maman? Elle a réussi à survivre un jour de plus. Que veux-tu dire? Le docteur avait refusé de toucher maman hier. Elle était presque morte. Ils ont dit qu'ils ne commenceront aucun traitement jusqu'à ce que cette somme soit payée. Pourquoi ces docteurs sont si cruels? N'ont-ils pas de conscience? Mon cher, je me suis posé cette même question. Je ne sais pas pourquoi ces docteurs sont si sans cœur. Mais je sais une chose, que ma mère ne mourra pas. Bien sûr. Maman ne mourra pas. Rien n'arrivera, maman. D'accord? Il arrive. Merci. Tu es sûr que tout va ouais, bien? Ouais, tout va bien. Papa est dedans. Qu'est-ce que tu caches? Oh, ah, il est là. Papa, bonsoir. Éduqué. Ah, bonsoir, oui, papa. Je pensais que tu étais parti. Es-tu revenu? Oui, papa. Il était revenu. Oui, papa. Je partirai pour l'école. Alors, j'ai décidé de venir vous donner ceci pour le traitement de maman. Éduqué. Papa. Es-tu sûr que ce n'est pas tes frais scolaires? Oui, papa. Si. Mais je ne peux pas regarder maman mourir. Non, mon fils. Ah, je sais que tes parents ont tant souffert pour te trouver cet argent. Qu'est-ce que tu leur diras à ce sujet? Rien. Je ne leur dirai rien. De plus, je vais voyager pour aller à l'école. Je suis un peu confuse ici. Puisque tu as apporté cet argent à papa, est-ce que tu as autre chose pour le frais? Si. J'en ai pour
l'obtention de mes résultats. Merci. Gom, tout ce que je le fais pour toi. D'accord? Je veux juste que tu sois heureuse. Maman s'en sortira bien. Ogo? Gom, on doit travailler. On doit finir ça. Si ce n'est pas fait, cet homme ne va pas nous payer. Je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Je sais. Je comprends. Mais maman se portera bien. Maman ira bien. D'accord? J'espère bien. Le docteur était là la nuit dernière. Mon amour, l'argent que tu nous as apporté hier, c'était le frais des confirmations. Je ne peux pas rester sans rien faire, regarder ta mère mourir. Et c'est jusqu'à sacrifier ton avenir, ton éducation, éduquer. Tu es tout ce que j'ai. Tu es mon futur. Je ne peux pas rester sans rien faire, te regarder souffrir. Toi, tant que mon futur, tu dois être heureuse. Alors, qu'est-ce que tu diras à tes parents? Ngo, bien sûr, je suis un homme. Je suis un homme. Un adulte. Je vais y aller et me battre comme les autres. Tu ne dois pas te gêner. D'accord? Juste, sois forte pour moi et pour tes parents. Tout va bien se passer. D'accord? Tout va bien se passer. D'accord? Allons travailler. Allons travailler, s'il te plaît. D'accord? D'accord. Ngo, s'il te plaît, travaillons. Ok? Travaillons, s'il te plaît. Ngo, tu dois être forte. Tu dois être forte pour moi. Tout ira bien. J'essaie d'être forte. Je sais, mais sois juste forte. J'essaie d'être tes larmes fondent mon cœur. S'il te plaît.
bébé, j'en ai marre. S'il te plaît. Qu'en est-il de lui? Mais quand est-ce que tu vas revenir à tes sens, jeune fille? Comment oses-tu parler à ta soeur de cette manière? La prochaine fois que tu le fais encore, je ferai pire que ça. Mais elle a disparu de ma vue. S'il te plaît, ma fille. Il a sacrifié son avenir. Il t'a tout donné. Il t'a tout donné, papa. Et maintenant, tu me demandes de lui tourner le dos. Comment y arriver? Comment? Monsieur Ndoukoué, cela fait déjà une semaine que je vous ai dit ce que vous devez faire si je dois traiter votre femme. Et jusqu'à présent, aucun retour de votre part. Docteur, ce que vous me demandez de faire est une chose très difficile. Ma fille Ogoma aime quelqu'un d'autre qui a tant fait pour cette famille. Donc, elle doit être convaincue. Je ne vous comprends pas, monsieur Ndoukoué. Elle aime un autre homme. Un autre homme, c'est ça? Et maintenant, où est cet homme? Pourquoi ne peut-il pas venir sauver la vie de votre femme? Oh, je vois que vous avez décidé de la laisser mourir. Non. Bonne nouvelle pour vous. Ça n'arrivera jamais dans mon hôpital. Alors, monsieur Ndoukoué, je vais vous conseiller que demain, vous préparez à venir retirer votre femme de mon hôpital. Ah, docteur, s'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps. Je suis... Monsieur Ndoukoué, vous avez jusqu'à demain pour retirer votre femme de mon hôpital. Point final. On a fini avec cette discussion. J'étais sur le point de partir avant votre arrivée, donc vous pouvez descendre de la voiture. Laissez-moi bouger. Vous avez jusqu'à demain. Papa, ne me dis rien, je n'ai envie de ne rien comprendre actuellement, désolé. Non, papa, arrête ce que tu me racontes là, s'il te plaît, ne fais pas ça. La seule chose que je veux comprendre actuellement, c'est que Ogoma doit épouser cet homme. Oh, te voilà. Tu es là en train de manger, n'est-ce pas? Tu es occupé à manger pendant que ta mère est à l'hôpital en train de mourir. Ok, relax, mange très bien, bon appétit.
Je vais tuer aujourd'hui pour que tu comprennes que je suis le vrai fils de mon père. Tu es encore là, hein? Où est-elle? Papa, papa, laisse-moi passer, papa. Laisse-moi passer. Hey, hey. Papa? Papa, est-ce que ça va? Tu vois ce que tu as fait? Tu peux voir ce que tu as fait? Papa? 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 Papa, désolé. Bouge de là. T'approches pas. Papa, papa, lève-toi. Papa, désolé, désolé, papa. Papa, t'en fais pas. Je vais t'emmener à l'hôpital. Je vais t'emmener à l'hôpital, papa. Aide-moi, s'il te plaît. Papa, lève-toi. Papa, lève-toi, je t'en prie. Papa. Papa. Laisse ça tout de suite. Écoute, ne me cherche pas. Reste très loin de moi. Tu sais que c'est ta faute. Tu sais que c'est ta faute. Ok, t'en fais pas. Quand on va revenir à l'hôpital, tu vas voir ce qui va t'arriver. Papa. Papa. Attends, je vais t'aider. Laisse-moi t'aider. Je vais te gifler, oh. T'en fais pas. Quand on va revenir à l'hôpital, tu vas voir ce qui va t'arriver. Je vais te gifler, oh. Mais c'est quoi? Je te préviens, je vais te gifler, oh. Je vais te gifler, oh, Goma. S'il arrive quoi que ce soit à papa, si quoi que ce soit arrive à papa, sois-en sûr que tu seras morte. Je n'ai rien fait. Attends, tu vas voir. Il est peut-être tombé à cause de toi. Laisse ça. Mais Tony, pourquoi tu fais ça, non? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que tu voulais. N'est-ce pas toi la cause de tout ça? Dis-moi. S'il vous plaît, docteur, s'il vous plaît, vous devez m'aider, mon père est mourant. Tony, je comprends ce que tu ressens et je souhaite vraiment que je pourrais t'aider. Mais comme tu le vois, mes mains sont tellement liées. Du genre, tu sais, je trouve toujours un peu difficile de l'aider à traiter votre mère malade que vous aviez apportée ici sans aucune avance. Et maintenant, vous apportez votre père. Mais dis donc, ici, c'est un hôpital et non un hôtel. Qu'est-ce que je vais faire, docteur? J'ai vraiment besoin de votre aide. Je vous prie. Bien, Tony. Si seulement ta sœur Ngoma acceptera ma demande en échange au traitement de vos parents, alors de là, je pense qu'on n'aura pas de problème. Bien. La balle est dans ton camp, Tony. Si j'étais toi, je saurais quoi faire. Qu'est-ce que c'est? Tu voulais de moi, n'est-ce pas? Tu peux m'avoir. Mon souhait, ce n'est pas d'avoir de rapport sexuel avec toi, Ngoma. Je veux te marier. Bien, mon offre est toujours valable. Épouse-moi.
et je vais traiter tes parents. Tu peux commencer le traitement. Fixe une date pour le mariage. Je vais t'épouser. Je vous prie, ne vous occupez pas de ma sœur. Elle ne comprend pas. Mais je sais que elle vous aime bien. T'inquiète pas, Tony. Pas de problème. Je vais bien prendre soin d'elle. Ah, je le crois. Et je suis sûr que tu te prépares pour être mon garçon d'honneur. Je suis impatient que cela arrive en tout cas. Eh, ça va. Tony, allez, tiens ça. Merci infiniment. Vous êtes vraiment un envoyé des dieux pour cette famille. Tu n'as pas à me remercier. Remercie ta sœur pour être si belle. Belle? Oh oui, elle l'est. Laisse-moi aller lui parler. Oh, bien sûr, bien sûr. Merci. Bien sûr. Bien. La date pour l'opération chirurgicale est fixée sur le 22 de ce mois. Et je veux qu'on se marie avant ce jour. Peu importe le moment fixé, je vais m'adapter. Quand est-ce que mon père revient à la maison? Après, demain. Je dois retourner à l'hôpital afin de prendre soin de ton père et de ta mère. J'espère que tu pourrais passer à l'hôpital aujourd'hui. Bien, prends soin de toi. Tony. Mon beau frère. Ça va. Je dois rapidement me rendre à l'hôpital afin de prendre soin de certains pas patients. Pas de problème. Merci. Désolé, nous l'avons perdu. Infirmière. Maman est morte? Docteur. Ah, tu blagues, papa. Docteur. Docteur. Allez, laisse ma mère. Maman est morte. Ne la couvre pas, j'ai dit. Maman, tu ne peux pas mourir. Maman, écoute-moi. Écoute-moi, s'il te plaît. Maman, mon Dieu, ne me fais pas ça. Dégage! Maman! Viens ici. Comment oses-tu me parler comme ça? As-tu perdu la tête? Docteur, tu dois tout avouer maintenant parce que ma conscience me dérange. Rien à dire. Je n'ai jamais su que ça arriverait à ce point. Tu as tué cette femme à cause de ton envie égoïste et tu oses raconter que tu n'as rien à dire? Je vais t'exposer. Maintenant, regarde-moi et écoute très bien.
nous sommes dans ceci ensemble. Si je tombe, tu vas aussi tomber avec moi. Rappelle-toi que c'est toi qui lui donne des médicaments et des injections. Alors, je vais te conseiller pour ton propre intérêt. Laisse ceci passer tranquillement et que personne n'entende parler de ça. Nous avons un accord ici. Tu sais que tu es une bonne infirmière. Allô, monsieur. J'étais sur mon chemin avant que ma voiture ne tombe en panne. Et il n'y a pas de mécanicien ici. S'il vous plaît, monsieur, accordez-moi 15 minutes et je serai là. D'accord, monsieur. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je pense que votre voiture est en panne. Oui, et tu es un mécanicien? Disons que je suis un ingénieur mécanique. Ah. S'il vous plaît, puis-je vérifier ça? Oui. Monsieur, s'il vous plaît, démarrez sa voix. Okay. Démarrez la voiture. Vous êtes prêt à partir, monsieur? Merci, merci. De rien, monsieur. Merci. De rien. En tout cas, merci. De rien. Combien dois-je te payer? Non, ça va. Ça va, monsieur. Je ne veux rien de vous. J'ai juste besoin qu'on m'aide à aller à la gare. C'est tout. C'est pas un problème. Viens, entre, viens. Merci, monsieur. Je m'appelle Joseph Yog et mes amis m'appellent Monsieur Joe. J'étais en route pour signer un contrat de plusieurs millions de naira avant que ma voiture ne tombe en panne. Dieu t'a envoyé à mon secours parce que j'allais perdre le contrat. Ça va, monsieur.
tout ce qui s'est passé, c'était pour une raison. Par ailleurs, je m'appelle Edike Okezie. Et comme vous pouvez le voir, je reviens du Service national de la jeunesse. Et tu vas où? Je suis en train de voyager vers mon village, Omezuka. Waouh, moi je suis du village d'Ebema. Ah, Ebema c'est notre village voisin. Waouh, alors dis-moi, qui est ton père et qu'est-ce qu'il fait? Mon père s'appelle Okezie et c'est un menuisier. Merci de m'avoir aidé. Ça va, monsieur. C'est tout un plaisir et merci pour l'aide, j'apprécie. Pareillement. Je dois y aller maintenant. Merci beaucoup. Attends, s'il te plaît. Prends ça comme un remerciement de ma part. Écoutez, monsieur. Tu m'as vraiment sauvé. Allez, monsieur, je vais bien du fait que vous m'avez transporté jusqu'ici. Merci beaucoup. Monsieur, vous pouvez garder l'argent. Merci beaucoup. Okay, je dois y aller maintenant. Merci beaucoup, monsieur. J'apprécie vraiment. C'est à moi de te remercier. D'accord, monsieur. Marie! Marie! Maman! Où est maman? Papa! Etiquée! Mon fils, elle est mort! Maman! Oh. Maman, je suis de retour! Respect! Adouaya! Allez, viens voir mon fils, viens là! Hey! Maman! Mon fils est un licencié! Maman, je suis un diplômé! Je suis un diplômé maintenant! Que maman. Dieu soit et je suis la mère! De l'ingénieur mécanicien. Mécanique. Un instant. Et je suis papa ingénieur. Ingénieur. Tu dois ajouter méca. Maman, je l'ai terminé avec succès. Donc, ah c'est bon. Fini. C'est manger. C'est ma fini. Souffrance a pris fin. Oui, maman. Je ne veux plus jamais m'endetter dans la vie. Je suis fier de toi. Fier de ton père, maman, fils. Maman, tu as l'air frais. Bien sûr, maman. De vêtements, mon fils. Cela va sentir, je maman. Mis, hein, je vais tout changer pour toi. Nous devons les changer maintenant. Oh. Hey. Marie, je n'ai pas vu Ogo, moi, depuis que je suis de retour de l'école. Beaucoup de choses se sont passées. Tant de choses se sont passées. Peux-tu m'en parler? La mère de Ogoma a beaucoup souffert et sa maladie physique s'aggravait. Ainsi, elle avait développé un problème de rein. Ils
avez besoin de 5 millions naira pour la greffe de rein. Mais il était incapable de payer cette somme. D'accord. Alors, que s'est-il arrivé après? Docteur Routier devait opérer sa mère, à condition que Ogoma accepte de l'épouser, afin qu'il prenne en charge l'intervention. Attends. De quoi parles-tu? Il a conduit l'opération en échange d'argent afin d'épouser Ngoma. Comment? Pourquoi? Keinako. Docteur Uchi a épousé Ngoma. L'opération a été effectuée. Mais malheureusement, ça n'avait pas marché. Sa mère est morte sous l'anesthésie. Tout est fin prêt. Plus moyen de retourner à Ngoma. Attends. Tu es en train de dire que Ngoma est mariée? Oui, elle est mariée. Tu me dis que Ngoma est mariée? Ngoma est mariée au docteur Routier. Grand frère, qu'est-ce que c'est? Es-tu en train de dire que Ngoma est mariée? Oui. Es-tu en train de pleurer? Tout ira mieux. Calme-toi, s'il te plaît. Ngoma. Ichike. Ne vois-tu pas que vous ne vous appartenez plus l'un l'autre? Laisse-le. Laisse-le partir. Tout ira bien. Éduqué. Tantine, bonsoir. Bonsoir. Éduqué est là. Je veux le voir. Non, il était sorti depuis le matin. Il n'est pas encore rentré. Depuis le matin, oui. Y a-t-il un problème? Non, y a pas de problème. Merci. Ok, bye bye. Thank you.
Pourquoi me faire ça? J'ai abandonné mon avenir juste à cause de toi. J'ai abandonné mon avenir pour que tu sois heureuse. Pourquoi tu es partie après m'avoir promis de m'attendre? Pourquoi, Ngom? Pourquoi? Ejiki, je fais de mon mieux. Je fais tout ce que je pouvais. Mais je n'avais plus d'autre choix que de sauver ma mère. Je ne pouvais pas croiser le bras, regarder ma mère allongée à l'hôpital, sans aide, en train de mourir. Je ne pouvais pas t'atteindre. Et Chiki, en partant, tu n'avais même pas de téléphone. Je ne savais pas comment communiquer avec toi. On ne s'est pas appelé. Pas de lettres, rien du tout. Je n'aurais jamais souhaité te perdre, toi et ma mère en même temps. Comment allais-je faire? J'étais dans l'emprise du diable et dans la duplicité. Je n'avais plus rien à faire, je suis désolée. Même si je fais un mauvais choix, je sais que ma mère n'est pas du tout contente de moi, là où elle est. Éduquer, j'étais contrainte de le faire. Je devais le faire pour ma mère. Cette femme pour qui tu t'es donnée pour sauver sa vie. Je devais mettre à côté mon bonheur pour elle. Malgré que je l'ai perdu. Mais je devais le faire. Je suis désolée. Ngoma, pars. Ngoma, laisse-moi tranquille. Tu n'as aucune excuse à me donner et qui comblera le vide que tu as créé dans mon cœur. Juste quitte. Je ne veux plus poser mes yeux sur toi. S'il te plaît, crois-moi. Pardon. Je t'aime toujours. Juste va, va. Juste vas-y. Va et laisse-moi tranquille. Ngoma, juste va. Va, je ne veux plus poser mes yeux sur toi. Juste va. Juste va. Ngoma, juste va. S'il te plaît. Juste laisse-moi tranquille. S'il te plaît. S'il te plaît, je suis désolée. Ngoma, juste va. Juste va. Je ne veux plus poser les yeux sur toi. Je déteste le jour que j'ai posé mes yeux sur toi. S'il te plaît. Va, Ngoma, va. Éduquer, s'il te plaît.
Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es revenu, mais tu n'es pas passé me voir. Colle ici, s'il te plaît. Je ne suis pas de bonne humeur en ce moment. Je sais. Je sais qu'elle t'a laissé pour un autre homme parce qu'il est riche. Elle n'a pas tenu aux promesses que vous êtes faites. J'ai toujours su qu'elle n'était pas bonne pour toi. Assez. Assez. Peux-tu partir, s'il te plaît? Je veux être seule. Ejike, je t'aime. J'ai enduré beaucoup de choses juste pour te prouver que je t'aimais. Tout cet argent que je t'envoyais quand tu étais à l'université, tu n'as jamais voulu l'utiliser. S'il te plaît, Ejike, donne-moi une occasion pour te prouver combien je t'aime. Ne plus jamais m'approcher en me disant quelque chose du genre. Pour ta connaissance, je ne t'aime pas. Tu n'es pas mon choix. Nkoli, laisse-moi tranquille. J'ai chassé Ogoma juste pour t'avoir. Je finirai par t'avoir éduqué. J'ai t'auré. Qu'est-ce que c'est? Parle-moi. Dis-moi, qu'est-ce que... Ne me touche pas. N'ose pas me toucher. Que se passe-t-il avec toi? Tu es juste... Attends. Pourquoi tu es comme ça? Est-ce que quelque... Ne me touche pas, j'ai dit... Mais que se passe-t-il exactement ici? Je me suis assis ici en t'entendant durant toute la journée et tu viens d'entrer en me disant de ne pas te toucher. Mon beau, depuis quelques jours maintenant, Goma, ma femme, est de mauvaise humeur. Et elle a pratiquement refusé de faire ou de toucher quoi que ce soit dans la maison. Même pas à préparer pour notre fils Ekene. Et tout ce qu'elle fait est de pleurer chaque jour. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'elle vous a dit quelque chose? Mon beau, laisse-la tranquille pour le moment. Bientôt, elle se remettra de sa misère et reviendra à sa vie normale. Se remettra de sa misère? Comment? Je veux dire, même quand maman était décédée, Ogoma n'a pas été aussi triste.
Je veux vraiment savoir ce qui la tourmente comme ça. Je ne sais pas si ma fille, Ogoma, t'a dit qu'elle avait un amant qui avait sacrifié tout ce qu'il avait pour s'assurer que ma femme aille mieux. Le garçon est revenu pour découvrir que elle s'est mariée à toi. Je sais que c'est ses sentiments et la nostalgie. C'est les sentiments et la nostalgie de l'expérience de leur amour du passé. Je crois que c'est ça la raison de son isolation. Docteur, si c'était toi, comment te sentirais-tu? Mon beau, nous ne parlons pas de comment je me sentirais ici. Nous parlons de ma maison, de mon enfant, de... Mon beau, est-ce que le jeune homme est de retour? Papa, je ne sais pas ce qui ne va pas avec Ejike. Il refuse de parler avec qui que ce soit. En plus, il n'a pas mangé depuis le matin. Qu'est-ce qui peut bien préoccuper mon fils ainsi? Serait-ce un trouble émotionnel? Traumatisme émotionnel? Comment ça, papa? C'est quoi ce problème qu'il a, hein? Je ne le comprends plus. Papa. Papa, il est là à l'intérieur. Oh. Tu ferais mieux d'aller parler avec lui. Hein? Très bien. Je vais le faire. Hé. Hey. Oh, Timo. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai sacrifié mon avenir pour sauver la vie de la mère de Ngoma. Et me voici maintenant dans un monde étrange où je ne connais personne. Comment vais-je survivre? Thank you.
Excuse-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, y a-t-il un garage auto aux alentours? Je veux dire, là où on répare tes voitures. Oui, juste en bas de la rue. Cette route? Oui, disons à peu près 5 ou 6 parcelles partant d'ici. Ok, 5 maisons d'ici. D'accord, d'accord. Hein, une autre chose, hein. Excuse, désolé. À quel point ils sont compétents? Je veux dire, ils sont vraiment bons? Parce qu'ils reçoivent vraiment beaucoup de clients. Pas de problème. Merci. D'accord. Oga, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Je peux le faire. Je suis tout à fait apte pour ça. Je sais que je suis capable, je peux le faire. Je ne conteste pas si tu peux le faire ou non. Mais je veux que tu comprennes que le travail mécanique n'est pas un travail que tu peux juste venir commencer à faire. Le travail mécanique est un travail fastidieux qui demande la passion et la concentration. Comment pourrais-tu te concentrer à la fois sur ce travail et sur ton éducation? Tu ne peux pas le faire. Je suis vraiment préparé pour ça. Honnêtement, ça marchera. Ça marchera, je suis prêt. Tout ce dont j'ai besoin, c'est quelque chose pour mettre de la nourriture sur ma table. C'est tout, Tu vois ce que je dis? Comment peux-tu venir sur mon territoire pour me dire que le travail mécanique dont tu as besoin, c'est pour mettre de la nourriture sur ta table? Mettre de la nourriture sur la table n'est pas ce qui pousse à faire la mécanique, mais plutôt la passion. La passion et la motivation, on doit se concentrer, on doit se focaliser, on doit se... Ah! Tu ne peux pas faire ce métier. Tu ne peux pas. Ce n'est pas une question de mettre de la nourriture sur ta table. C'est une question de désir et de passion. Parce que je peux te confirmer que ton père n'a pas été un mécanicien. Aucun membre de ta famille n'a fait la mécanique. Même ta génération n'a aucune relation avec la mécanique. Maintenant, comment peux-tu me dire que tu peux faire ce travail? Oga, je suis doué. Je suis vraiment doué. Je sais que je peux le faire. Juste aidez-moi, monsieur. Juste aidez-moi. Je peux le faire. Bien. Je ne suis aussi qu'un être humain et nous aidons les gens. Je veux voir ce que je peux faire pour t'aider. Je verrai ce que je peux faire. Je sais que tu es un étudiant, tu ne peux pas me payer. Ouais. Mais voici une chose que tu dois faire. Trouve un casier de bière et une bouteille de dry gin. Ce casier de bière et cette bouteille de dry gin, est-ce que tu vas utiliser pour t'identifier avec tous ceux qui travaillent ici? Ils ont tous apporté ça. C'est avec ça qu'on vous accueille à Chinedu Mechanical Enterprises. Hein? Tu comprends ce que je dis? Donc apporte ça quand tu... Ok, s'il vous plaît, encore une chose. Une chose de plus. Je vais demander. Monsieur, puis-je rester aux alentours? Regardez ce garçon. Que veux-tu dire, papa, par cette question? Non! Tu resteras dans ta maison. Vas-tu rester dans ta maison pour faire la mécanique? Ne vas-tu pas que tous mes éléments sont présents? Que veut dire ce genre de question? S'il vous plaît, ne me comprenez pas mal. En fait, je voulais dire... Puis-je? Avez-vous un endroit où vous gardez vos éléments? Ça ne me dérangerait pas de rester avec eux pendant un moment, monsieur. J'ai juste besoin d'un endroit où poser ma tête. Écoute. Ouais. J'ai un endroit où je garde mes éléments.
Mais je ne peux pas pour le moment te permettre d'aller rester là-bas parce que je ne connais pas encore ta capacité. J'ai permis à mes éléments de rester dans cet appartement que j'ai loué pour eux parce que ils sont si productifs que ce sont eux qui génèrent l'argent que j'utilise pour payer le loyer. Chinedu Mechanica Enterprises, une filiale de Chilfizi Motors, ne peut pas juste appeler quelqu'un pour commencer à faire n'importe quoi et payer pour quelque chose dont nous ne sommes pas vraiment sûrs. Donc, tu dois me prouver que tu es bien. Oga, je suis très capable. Je suis productif. Juste, essayez-moi. Je suis productif. Je sais que je peux le faire. Juste, aidez-moi, monsieur. Biko. Bien, en tout cas, on va voir ce que ça va donner. Tu iras voir Théo Boy Udoka, qu'il t'aide et te montre l'endroit. Je veux voir à quel point tu es productif. Et tu dois changer tes vêtements, si. On ne porte pas ça ici. Ce genre de vêtements, c'est pour les footballeurs. Théodore, va le voir. D'accord, d'accord. Ouais. Udoka, tu es où? Viens m'acheter une bouteille de bière. Thank you.
Patron, je ne conteste pas ce que tu es en train de dire, mais ce que je dis est que c'est le moment pour nous de commencer à apprécier nos propres produits. Toutes ces pièces détachées que tu dis que nous devons acheter de l'étranger ou des pays voisins, le Nigeria produit des matériaux qui sont bons et durables. Pièces détachées durables. Alors tu ne peux pas me dire de commencer à m'arranger pour acheter ces moteurs de l'étranger alors que je sais que nous en avons dans notre propre pays ici. Ouais! Hein? Bien, tu vas réfléchir et puis après on va essayer d'en parler. Ouais, Ejike. Oga, bonjour monsieur. Bonsoir. Oga, je vous ai apporté ça. Ah, de quoi s'agit-il? Ah, Ejike, je t'ai dit d'arrêter de faire ça. Tu ne dois pas acheter ces choses pour moi. C'est plutôt moi qui devrais te donner des choses. Nos gens disent que on ne verse pas un seau d'eau dans la rivière. C'est plutôt moi qui devrais te montrer ma bénévolence en tant que mon garçon. Hein? Oga. En tout cas, merci beaucoup. Oga, je veux vous demander une faveur. Hein? Quelle faveur? Oga, je vais commencer officiellement mes classes à partir de lundi. Bien sûr que j'ai déjà raté certains cours, mais... Écoute-moi, Ejike, je t'avais dit à maintes reprises que tu peux commencer à aller au cours chaque fois que tu veux. L'éducation est très très importante dans la vie de l'homme et n'oublie pas que c'est pour cette raison que tu es venu dans cette ville. Donc ton éducation est très importante. Écoute, comme tu vois, si je n'ai pas été éduqué dans ma vie, mon business ne serait pas aussi grand comme ceci. Donc tu as besoin de cette éducation pour toi-même. Donc ce n'est pas quelque chose que tu dois venir me demander. La seule chose que tu dois faire est de savoir comment gérer ton temps. Le temps d'aller au cours, le temps de venir au travail, le temps de faire quelques activités extrascolaires. Ça t'aidera. Merci beaucoup, monsieur. J'ai vraiment apprécié. Je vous apprécie beaucoup. Ça va. Mais s'il te plaît, arrête ça. C'est la deuxième fois que tu m'achètes du vin. Après les boissons que tu as apportées pour ton acceptation, nous avons déjà accepté, donc tu n'as pas besoin de continuer à faire ça. Oga, je ne peux pas cesser de vous apprécier. Je ne peux pas cesser de vous apprécier devant le ciel et la terre. Ediké va gagner de l'argent. Quand tu gagnes de l'argent, nous aussi, on va en jouir. Vous ne savez pas ce que vous m'aviez fait. Dieu continuera à vous bénir. S'il te plaît, retourne au travail. Je comprends. Va au travail. Merci, monsieur. Merci. Un très bon garçon. H. Ediké. Y a-t-il un problème? Goma, j'ai beaucoup souffert pour toi. Tu as eu le courage de me poignarder dans le dos. Goma, tu as menti. Je vais réussir. Et tu vivras
pour me voir. Grand frère. Ichiki. Je ne sais pas ce qui te dérange autant. Je sais aussi que tout ira bien. Ta famille t'aime tellement. C'est ce qui devait te réconforter. Que ces millions de déceptions de Ugoma. Mon frère, s'il te plaît, suis tes larmes. Dieu te donnera une femme qui va te chérir juste comme tu es. D'accord, arrête de pleurer. Aucune femme ne me sera jamais comme Ugoma. Elle est déjà mariée. Oublie-la. Ok. Aucune femme ne sera jamais comme Ugoma. Ça va aller. Ça va aller, mon frère. Ugoma était juste tout. Bonjour. Bienvenue, monsieur. Merci. S'il vous plaît, je suis à la recherche de un certain Ejike Okezie. J'étais en train de le chercher ici et les gens autour m'ont indiqué ici. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, maman. Qui êtes-vous, je vous prie? Je suis monsieur Joe Young et je suis venu pour le remercier. Chérie, appelle ton fils. Ejike! Ejike! Ce que tu avais fait pour moi l'autre fois ne m'avait pas seulement sauvé, mais également la compagnie. J'en avais parlé à mon directeur et il m'avait ordonné de te chercher et te donner un travail comme maman, notre ingénieur de la mécanique et de la maintenance. Ça, c'est ton contrat. Papa? Papa? Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Papa? Qu'est-ce que c'est? Papa, nous sommes riches. Nous sommes riches. Maman, nous sommes riches. Quoi? Vas-y, lis. Maman, la disposition comprend une voiture officielle, une maison officielle et bien sûr une grosse somme d'argent, comme mon salaire mensuel. Hey. Papa, 2 millions quelque chose. Hey! Hey. Mon ami, tu es un officiel. Merci, monsieur. Je t'en prie. Merci. Tout ce que tu as à faire, c'est de venir à la compagnie avec tes documents d'identification. Avec mes documents d'identification? Oui, bien sûr. Donc, le travail va avec des informations d'identification? Oui. Je suis désolé, monsieur. J'apprécie votre offre. Je t'en prie. Mais je n'en veux pas. Ejike? Papa? T'ai-je bien entendu? Viens-tu de dire que tu n'en veux pas? Hein? Papa, je suis désolé de ce que je vais dire. Désolé que je ne vous l'ai pas dit. Nous dire quoi? Beaucoup de choses se sont passées que je ne peux pas expliquer en ce moment. Sais-tu quelque chose sur ce qu'il vient de dire?
ne sais pas. Tout ce dont tu as besoin, c'est ton talent. Et tu as le travail. Juste ma compétence. Rien que ça. J'apprécie. Maman, nous sommes riches. Millionnaire, dans ma famille, nous sommes riches, riches. Ah oui. Et nous sommes devenus riches. Maman, nous sommes riches. Messieurs, j'ai une confession à faire. Je sais que ça vous fera mal, mais c'est la vérité. Je t'en prie, ma chère. On n'a pas tout notre temps. Qu'est-ce que tu as à nous dire au juste? Ta femme n'était pas décédée d'une mort naturelle. C'est votre beau-fils, le docteur Uche, qui l'avait tué. Qu'est-ce que tu racontes juste? Désolée, j'étais sa complice. J'étais tombée amoureuse d'Ejike. Malheureusement, je n'arrivais pas à la voir. J'étais très en colère quand j'avais vu Ogoma à côté de lui. Je pensais que mon plan allait bien se dérouler quand j'avais remarqué que le docteur était amoureux de lui. Nous avons planifié de la séparer avec Ejike. Comme ça, elle sera avec le docteur et moi avec Ejike. Alors, en quoi cela concerne ma femme? Monsieur... Qu'est-ce que ça a à faire de la mort de ma femme? Ta femme n'a jamais eu de problème avec le rein. Pardon? Elle avait juste de la typhoïde. Mais docteur Uchi s'est débrouillé pour la garder à l'hôpital. Et tout cela pour avoir Ogoma. Il lui administrait des sédatifs qui ont endommagé son système. C'est pour ça qu'elle était morte. Donc, tu as tué ma mère? Non, pas moi. Docteur Uchi. À cause de ton intérêt égoïste? C'est pas moi. Non, mais sérieusement, je... Tony! Papa, laisse-moi, non? Laisse-moi lui rendre son compte. Non, non, non. C'est pas moi. Je ne gère pas cette situation comme ça. Papa, laisse-moi lui rendre son compte à cette femme. Papa, docteur Uchi doit être arrêté. Son certificat de doctorat doit lui être ôté à partir de maintenant pour avoir commis un tel crime contre l'humanité. Désolé, monsieur. Et toi? Monsieur. Le fouet doit accompagner le complice dans le crime. Moi. Donc tu n'es pas exempté de la punition. Ça c'est bien. Et maintenant, non, je vais te donner la leçon que tu mérites. Papa, laisse-moi, laisse-moi lui donner une leçon. Papa, laisse-moi en finir, laisse-moi en finir avec elle. À cause d'elle, je suis enfermé de mère aujourd'hui. Papa, laisse-moi en finir avec elle. Qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone durant toute la journée? Peux-tu te lever et aller nous préparer quelque chose à manger? Je suis sûre que tu sais là où il y a la cuisine. Alors si tu veux prendre quelque chose, tu n'as qu'à aller le faire toi-même. Tu es mon épouse pour l'amour de Dieu. Je ne suis pas non plus ton esclave. Et où penses-tu aller? Si tu penses jouer un tour, tu essaies de me décevoir. Officier, officier, voilà le meurtrier. C'est lui le meurtrier. C'est lui. Ma fille, qu'est-ce qui t'est arrivé? Lève-toi, ma fille. Sœurette, ça va? Docteur Uchi, vous êtes en état d'arrestation pour homicide volontaire. Vous avez le droit de garder silence. Sinon, tout ce que vous direz ou ferez serait retourné contre vous devant la loi. Tu as tout le droit de faire appel à un avocat. Au cas où vous n'en avez pas, l'État vous en donnera un. Officier, arrêtez-le. Papa, c'est bon, du calme. Ouais. Jésus. Allez, c'est bon. Il va aller en enfer. Désolé, doucement. Ma fille. Désolé, sœurette. Désolé. Ça va aller. Doucement. Viens. Doucement. Allez, doucement, désolé, papa. Désolé, doucement. Désolé, d'accord. Bien, je crois que je vais aller avec eux. Tu peux aller.
Rassure-toi qu'il soit enfermé. Sois posé, papa. Ma fille, désolé. Désolé. Le destin peut être retardé et on peut aussi le nier si on embrasse la vie en fonction de ce que la foi apporte. Être un marginal ne veut pas dire que tu ne peux plus jamais aller étudier. Je n'ai pas vraiment allé loin dans mes études, mais mon aide à M. Joyong m'a présenté une opportunité de retourner à l'école. Je suis retourné à l'école et après je suis devenu très riche. Si vous me voyez en ce moment, vous allez confirmer que je vis une vie complètement réussie. Tout cela grâce à un travail acharné et à un état d'esprit fort. Thank you.